Amen. And the theme for this convention, through the direction of the Holy Spirit, is you are qualified. Et le sujet ou alors le thème, n'est-ce pas, de cette convention par rapport au leadership, n'est-ce pas, de notre Saint-Esprit, c'est que tu es qualifié. Je veux que tu te dises à toi-même que tu es qualifié. If somebody sees you to be qualified, you need to believe in yourself that you are qualified, not by might or by power, but by the presence of the Holy Spirit. Il faut te dire toi-même que tu es qualifié. Ce n'est pas par ta pensée ou alors par tes forces, mais plutôt par ce que le Saint-Esprit a voulu que ce soit. You know, sometimes we think about what people think about us so much that becomes a bother to us and we forget who we are in Christ Jesus. Quelquefois on pense à ce que les gens nous disent, les autres racontent nous, et quelquefois on s'installe dans la pauvreté en oubliant qu'on a un Jésus-Christ sur lequel on devrait s'appuyer. But whether you like it or not, mais que vous le voulez ou pas, what that person sees you is what he sees. Et la personne, la façon qu'il te voit, c'est la façon qu'il te voit. But today the theme is telling you and I as Christians that we are privileged to be qualified as the sons and daughters of the Most High God. Aujourd'hui, le thème vous fait savoir que vous avez le privilège d'être qualifié comme les fils et les filles de notre Fils Jésus-Christ. And we thank the national head for allowing himself to be given this theme through the power of the Holy Spirit. Et on dit merci à notre leader national de lui avoir donné, n'est-ce pas, l'intelligence de libérer, n'est-ce pas, ce thème pour nous. My scripture readings are taken first of all from Colossians chapter 1 verses 12 to 14 and then Psalm 107, 2 through 8. Amen. Colossians chapter 1 verse 12 to 14. Colossiens chapitre 1, nous lirons du verset 12 au verset 14. Praise the Lord. Alléluia. Colossians is in the New Testament. Colossiens c'est dans le Nouveau Testament. In case you have forgotten where to find it. Au cas où vous avez oublié là où retrouver cela. If you are there, say amen. Si vous êtes là-bas, dites amen. If you are not there, say hallelujah. Si vous n'êtes pas encore là-bas, dites alléluia. The hallelujah is more, so please open. Colossians is in the New Testament. Chapter 1. Colossiens chapitre 1, verses 12 to 14. And I read. I am reading from the New King James Version of the Bible. Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love. And in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. And my second scripture reading is taken from the book of Psalms, chapter 107, verses 2, let's take it from verse 1 to 8. Et la deuxième lecture, c'est dans Psaume 107. Nous lirons du verset 1, on va partir du verset 2 jusqu'à 7. Oh, give thanks to the Lord for he is good, for his mercy endures forever. Let the redeemer of the Lord say so, whom he has redeemed from the hand of the enemy and gathered out of the lands, from the east and from the west and from the north and from the south. They wandered in the wilderness in a desolate way, They found no city to dwell in, hungry and thirsty. Their soul fainted in them. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses. And he led them forth by the right way, that they might go to a city for a dwelling place. All that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works in the children of men. Amen. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert
Il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Amen. Amen. The epistle that we just read of from the book of Colossians. Il y a quelque chose qu'on vient juste de lire dans le livre de Colossiens. Derives its name from the people or the saint who this book was written to by Paul. Et cet livre là a été écrit par Paul. Paul had written this book to or this letter to them to combat the bad practices and the false teachings which was taking over in the nation. Paul a écrit cette lettre pour combattre, n'est-ce pas, les mauvaises habitudes et les mauvais enseignements qui se déroulaient à cet endroit. The tendency of the supremacy and the universal mediation of Jesus Christ was being denied by false teaching. L'audacité, n'est-ce pas, de la limitation, n'est-ce pas, de la complémentarité de Jésus-Christ a été refusée. So Paul wrote this book or this letter to the church. Ainsi donc Paul a écrit cette lettre à l'église. To address the situation for them to know that Christ Jesus is the head of the church. Pour adresser la situation pour qu'ils sachent que Jésus-Christ c'est la tête de l'église. That in all things Christ will have the preeminence and nothing more. Et dans toutes choses Jésus-Christ doit avoir la primeur et rien d'autre. And beloved, this afternoon I'm here to announce to someone that Jesus Christ reigns and he is the head of the church, and no matter what people believe, Jesus remains the head et of the ici, church. Et ici cet après-midi, je suis ici pour vous annoncer que Jésus vit et il est la tête de l'église, de toutes les églises. Quel que soit ce que les gens diront, il reste celui-là qui est à la tête de toutes les églises. When Paul was writing to the church in Ephesus, lorsque Paul écrivait à l'église à Ephesus, he emphasized on the church. Il a imparté et emphasisé sur l'église. For the people of God, for the saints of God to know that the church is the body of Christ. Pour que les gens, les saints de l'église sachent que l'église c'est le corps du Christ. And that is why if you are in the church, you do not need to see yourself differently, irrespective of tribes, nations, because the church is the body of Jesus. C'est pour cela que lorsque vous êtes à l'église, vous ne devrez pas vous rabaisser ou alors penser que vous êtes d'une autre région ou bien d'un autre pays. L'église rassemble tout le monde et au même titre d'égalité. And then he goes on in the book of Colossians. Et il a dit quelque chose dans le groupe de Colossiens. To bring the emphasis of the body which is Christ Jesus. Pour apporter l'insistance sur le corps qui est Christ lui-même, Jésus-Christ. In the chapter 1 of the book, dans le chapitre 1 du livre, we realize that he laid emphasis on the doctrines of Christ. Il a insisté sur les doctrines de Christ. His deity. The fact that he is God, Son of God. Ce qu'il prouve qu'il est le Fils de Dieu. His sufficiency. Ses suffisances. And his preeminence that should be given to him in the church. Et la proéminence qui lui a été attribuée à l'église. The book emphasizes that Jesus Christ is all in all. Le moment d'insistance est que Jésus-Christ est tout à la fois. And that no wonder the Bible says that if Christ be for us, who can be against us? Et la Bible le dit très bien que si Christ est pour nous, qui d'autre peut être contre nous? Because all power, parce que toutes les puissances, dominion, toute la domination et l'autorité, it was in no other person, se repose sur aucune autre personne than in Jesus Christ. Exceptionnellement qu'à Jésus-Christ. This afternoon, I don't know your situation. Et cet après-midi, je ne connais pas this ta situation. Afternoon, I don't know your problem. Cet après-midi, je ne connais pas tes problèmes. Et si tu me dis tes problèmes, tout ce que but je peux te dire, ça sera bien. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi, quel que soit le problème que tu connaisses, il y a un Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit là que je suis, celui-là qui est venu pour vous donner la paix et la tabac, si vous le voyez comme la tête de l'Église, et qui te donne la proéminence de ta situation, have a testimony. Tu auras un témoignage. Praise the Lord. Alléluia.
When Paul was writing this letter, lorsque Paul écrivait cette lettre, he did not write the letter out of oblivion or in obscurity. Il n'a pas écrit cette lettre par rapport à l'obscurité. Il avait quelque chose, il avait un but et un objectif pour lequel il écrivait le livre. It means that cela veut dire que life, la vie, is full of purposes. C'est rempli d'objectifs. It is if that you have a purpose in life. C'est bien que tu aies un objectif dans la vie. Or you live a life of non-entity in a system. Ou alors tu vis une vie du n'importe comment dans le système. Or you live a life of anarchism, as we used to say. Ou alors tu vis une vie à la je m'en foutais, comme on le dit. And then you die. Et ensuite tu meurs. We bury you. Et on t'enterre. We forget your name. Et on va oublier ton nom. When you become a Christian, lorsque tu deviens chrétien, one of the cardinal purposes of your life is for you to depict Jesus Christ in all your endeavors. C'est pour que tu prennes Jésus-Christ dans tout ce que tu vas entreprendre à la suite. So Paul was telling us that. Paul leur disait que we need to have an object of our faith. On doit avoir un objectif pour notre foi. What is your object of faith? Quel est ton objectif de foi? What do you believe in? À quoi est-ce que tu crois? Many of us are swayed by false doctrines. Chez nous, plusieurs d'entre nous sont, n'est-ce pas, balayés par des fausses doctrines. Many of us are moved by circumstances. Certains d'entre nous, n'est-ce pas, se déplacent par rapport aux circonstances et aux situations. Many of us don't know what we believe in. Il y a même certains qui ne savent pas sur quoi on croit exactement. The Bible says that. La Bible dit que God called a man by name Ezekiel. Dieu a appelé un homme du nom d'Ézéchiel. And took him to the pit. Et il l'a pris du trou. And in the pit he saw some dry bones. Et dans le trou il a vu les ossements humains secs. And God asked him, et Dieu lui a demandé, do you believe that these bones can live again? Est-ce que tu penses que ces os peuvent revenir à la vie? In the natural sense of Ezekiel, dans le sens naturel d'Ézéchiel, he didn't believe it. Il n'a pas cru en cela. He is, or he was a prophet. Il est, ou alors il était un prophète. But he said, mais il a dit, God, Dieu, you know all things. Tu connais toutes les choses. To paraphrase, in other words, you know whether there can be life or not. Et pour paraphraser ça, tu sais s'il y aura de la vie dans ces os ou pas. The man was skeptic to suggest that, as for the way these bones are dry, there can be life. Et comme il était un peu sceptique, il voit la façon que ses os sont secs, il ne pourra many pas voir une vie look at the situations we find ourselves in, even though we are Christians, and when we look at how dry the situation is, we tend to say that, or we tend to suggest to ourselves that it is impossible. Bien que nous soyons des chrétiens, mais il y a des situations qu'on traverse et lorsqu'on regarde ça, on voit comme c'est sec, il n'y a pas de solution. On se retrouve à dire que non, il n'y a pas de solution et on est désemparé. Mais cet après-midi, je veux vous défier that you should have an object for your faith. Que tu dois avoir un objectif dans ta foi. You should have the object, the objectivity of your faith is based on the fact that you know who Jesus Christ is. L'objectif de ta foi est basé sur le fait que tu sais ce que c'est que Jésus-Christ. Jesus is the object of our faith. C'est l'objectif et même le but principal de notre foi. And in addressing the situation of giving Christ the preeminence in the church. Et adresser la situation de donner à Christ la situation et la position prédominante Paul de l'Église. Called on the believers in Colossae or and now to have a praise for the Lord. Paul a appelé, n'est-ce pas, aux membres, n'est-ce pas, de Colossiens d'avoir une certaine louange pour le Seigneur. Whenever we meet as Christians, quelquefois ce qu'on a besoin comme chrétien, everybody is expecting a miracle. Chaque corps espère un miracle. When we meet as believers, lorsqu'on se retrouve comme croyants, all our focus, toute notre focalisation, is to leave the place with your problems solved. C'est quitter l'endroit avec des promesses fermes. Paul was telling us, et Paul nous disait, that there is a need for us to praise the Lord. Qu'il y a un besoin certain pour nous de louer. We need to praise God for one reason. On doit louer le Seigneur pour une raison. Because the greatest miracle to happen to a man is what you have received. Le plus grand miracle qui peut arriver à un homme, c'est ce que tu as reçu. The greatest miracles of all time. Le plus grand miracle de tous les temps. The greatest miracle. Le plus grand miracle. Is for a criminal.
c'est pour un criminel. To be able to say that I have accepted Jesus Christ as my Lord and personal Savior, and I am no more going to steal. Un criminel qui est capable de dire que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon serviteur personnel et mon Seigneur personnel et d'évoluer avec lui. The greatest miracle. Le plus grand miracle. Is for God to call a drug addict. A drug addict. Et c'est le plus grand miracle, c'est d'apporter que Dieu appelle quelqu'un qui est drogué, fortement drogué. Drug addict. Quelqu'un qui est drogué. I mean a drug addict. Quelqu'un qui est accroché à la drogue. Somebody who cannot live without drugs. Quelqu'un qui ne peut pas vivre sans la drogue. Praise the Lord. Alléluia. If you remember the past where you get a sniff, you feel so good. Vous sentez lorsque vous prenez cette poudre et que vous la remuifiez, vous la réduisez, vous sentez tellement bien. Et tout le monde entier semble être bien pour la personne. Praise the Lord. Alléluia. I used to tell some of the youth when I was young. Je disais souvent à certains des jeunes lorsque j'étais jeune, quand il était jeune. When we go to smoke marijuana. Lorsqu'il est allé, n'est-ce pas, fumer la mauvaise herbe. And from the school of my wife to my school, you see that the road is tarred and the rays of the sun falls on the road. Et de l'école de sa femme jusqu'à son école, vous voyez, n'est-ce pas, une route qui est impraticable et le soleil qui tombe dessus. And you see it as a river. Tu vois cela, n'est-ce pas, comme une rivière. When we come out of the bush, lorsqu'on sort donc de la forêt, sometimes we put leaves in our mouths. Quelquefois on met, n'est-ce pas, ces herbes-là sur nos. And then we look into our own eyes. Et on se regarde dans les yeux. And then I begin to laugh. Et il commence à rire. And my mates will begin to laugh. Et les autres commencent également à rire. And then he will ask me. Et il va poser la question. Why are you laughing? Pourquoi est-ce que tu ris? Are you crazy? Est-ce que tu es fou? And then I also ask him. Et il va aussi lui demander. Why are you also laughing? Pourquoi est-ce que toi tu ris aussi? Are you also crazy? Est-ce que toi aussi tu es fou? And then I'm telling him. Et il lui dit. If you are not crazy. Si tu n'es pas malade. This river. Cette rivière. Jump to the other side. Saute et va de l'autre côté. And you go back. Il va reculer. Then you tell him I go jump. Et il va te dire je vais sauter. Me as I go jump. Et lui aussi il dit qu'il va sauter. You know what future? Et il dit que tu ne pourras pas le faire. I go jump. Et lui il va dire il va faire. Go back and rest and jump the sand ridge because you see it as river. Et nous allons voir le c'est comme l'arc-en-ciel. On va sauter dessus et on va penser que ce sera comme la rivière. And when you saw Gary, you know Gary, those of us from Ghana, Gary. Oui, le gari, le tapioca. C'est ça. Amen. And then instead of you to use spoon, au lieu d'utiliser la cuillère, you are so high that you have no time for spoon, and you take the bowl and you put it on. Tu es tellement rapide que tu n'as pas le temps de prendre la cuillère. Tu prends toute la calabasse et tu te mets à boire cela comme ça. Sometimes you close your buttons and you have forgotten some, and you think it's a new style. Et tu as quelquefois engagé certaines batailles et que tu as oublié même. That is the miracle we are talking about. Et ça c'est le miracle dont tu parles. A miracle to change the unchangeable. Et le miracle de changer ce qui n'est pas changeable. For the lifeless. La vie pour ceux-là qui n'ont pas de vie. Praise the Lord. Alléluia. So when you come and you want a miracle, I have no news to tell you that the greatest miracle is the fact that you are able to say Jesus is Lord. Et lorsque vous venez vers moi et vous demandez un miracle, j'ai dit je n'ai pas de miracle à vous donner. Praise the Lord. À vous donner, c'est que Jésus-Christ est le Seigneur. Et why was Paul telling the church to praise God? Pourquoi est-ce que Paul a demandé à l'église de louer Dieu? Because when we were born, as we came out of our mother's womb, we immediately were placed out the garden of Eden. Et lorsqu'on était né, n'est-ce pas, dans les entrailles de notre maman, on a été directement placé dans le jardin d'Eden. God created us for the garden of Eden. Dieu nous a créés pour le jardin d'Eden. It was a wonderful place. C'était un endroit merveilleux. Where God would come and talk to man. Où Dieu pouvait faire sa descente et parler à un homme. Where God had a relation with man. Où l'homme, Dieu avait une relation avec l'homme. The Bible says that. Mais la Bible dit que God saw the loneliness of a man. Dieu a vu le vide qu'il y avait tout autour de l'homme. And created out of him a woman. Et il a créé au travers de lui une femme. The moment the woman came on this earth, peace lost. Et à l'instant que la femme a fait son apparition sur cette terre, on a perdu la paix. The woman was created for man.
À l'instant que, n'est-ce pas, la femme a été créée de l'homme. We lost our peace. On a perdu notre paix. Because when man was alone, the enemy couldn't go to tempt him. Parce que quand l'homme était seul, l'ennemi ne pouvait pas aller le tenter. But the woman, mais la femme, vulnérable, sin against God. Péché qui a péché contre Dieu. Bible says that sin came into the world. La Bible déclare que le péché a fait son entrée sur terre. You know, women are wonderful. Vous voyez, les femmes sont merveilleuses. When they are in, it's great. Lorsqu'elles sont à l'intérieur, c'est bon. Without them, problem. Et si elles ne sont pas présentes, il y a des problèmes. They make the church grow. Elles font avancer l'église. The same time destroys the church. Et en même temps, elles peuvent détruire la même église. It's a painful truth. C'est une vérité difficile à accepter. Ça fait mal. But when you accept Jesus Christ, lorsque vous acceptez Jésus Christ, that vulnerability is able to be changed for something good. Cette vulnérabilité peut être changée à quelque chose de bien. Sin came into the world. Le péché a fait son entrée sur terre. And the people who were qualified, et les gens là qui étaient qualifiés, we lost it. On a perdu cela. And we became disqualified. Et ils sont devenus tout à fait, du coup, disqualifiés. We lost the dwelling of that blessed place called the Garden of Eden. On a perdu, n'est-ce pas, cet endroit saint appelé le Jardin d'Éden. When we sinned, we lost the abundant life that we received from God. Et lorsque nous avons péché, on a perdu la vie abondante que nous avons reçue du Seigneur. When we were disqualified, we lost the God. Et lorsqu'on a été disqualifié, on a perdu le Dieu là qui donne la paix et la joie. We lost the joy without the tongues. We lost everything that God gave us. Nous avons perdu tout. On a même perdu, n'est-ce pas, nos voix. On a perdu tout ce que Dieu nous a donné. Before sin came into the world, avant que le péché ne fasse son entrée sur cette terre, life was without tears. La vie était sans larmes. Life was without death. La vie était sans mort. The things the first man enjoyed became sin. Et les problèmes, les joies sont devenus plutôt les péchés dans la vie d'un homme. Until today, jusqu'à aujourd'hui, if you do not accept Jesus Christ, si vous n'acceptez pas Jésus Christ, you find yourself trying to have an identity. Te retrouver en train de chercher une identité. You find yourself trying to know what you think will lead you to God. Tu te trouves en train de réfléchir, de savoir qu'est-ce que tu veux et tu remets cela à Dieu. I remember when I joined the Buddhism. Quand j'ai eu à rejoindre les bouddhistes. When we go to the meeting, we are told that there is no God. Lorsqu'on va dans les réunions, on nous dit que il n'y a pas de Dieu. Et on s'assoit et on chante comme ils chantent. And you know, a hustler like me will have to go and buy banana and oranges and put before my gobonzo. And I'm hungry and I can't take the banana because I need it to chant. Vous voyez, un débrouillard comme lui, il doit aller acheter de la banane et quelque chose pour manger et placer ça devant lui. Et quand il a besoin de manger, il doit placer ça devant son chantre et l'exécuter. I did not find God. I did not find Jesus Christ in Buddhism. Il n'a pas retrouvé Jésus-Christ dans le bouddhisme. And then a friend told me that there's something powerful than Buddhism. Et il y a un ami qui m'a dit qu'il y a quelque chose de plus puissant que le bouddhisme. So let's go into metaphysics. Allons dans le côté métaphysique. And you go and the chant and all that comes in mind is to destroy people. Et tout ce qui sort dans ta pensée, c'est de détruire les gens. I realized that this is not what I'm looking for. Et il a réalisé que c'est pas ce que je veux. Because I was born in a Christian home. Parce qu'il était né, n'est-ce pas, dans une maison chrétienne. And a woman who once heard me chant waited until I came out from my room and then asked me, "What you are doing? Is your mother aware that you do this stupid ringing and namio ringing and namio?" Et il y a une femme samaritaine qui est venue vers lui. Il lui a demandé, est-ce que ta mère est au courant de ce que tu es en train de faire? C'est Minamani, Minamani que tu fais. Est-ce que sa mère, ta mère le connaît? Praise the Lord. Alléluia. Brothers and sisters. Frères et sœurs. When sin came into the world, lorsque le péché est venu ici sur cette terre, we try to have an identity. On a cherché à obtenir une identité. But
But when I met Jesus, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, when I met Jesus, lorsqu'il a rencontré Jésus, though the journey had not been smooth sailing, c'est vrai que la journée, le voyage n'a pas été facile, but I know the difference. Mais il connaît la différence. And this afternoon you are here, maybe you are young. Et cet après-midi tu es ici, mais peut-être que tu es jeune. Sometimes we even come to conventions like this because we want to see some babes. Tu viens ici dans la convention, vous jeunes là, c'est pour voir quelques petites à côté. That is not a big deal. Ça, ce n'est pas un grand problème. When I started going to church, I also went to church for all the wrong reasons. Et quand j'ai commencé à aller à l'église, je voulais obtenir toutes les mauvaises raisons. Until I met the Lord. Jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. This afternoon, I am here to challenge the youth that are seated under my voice. Cet après-midi, je suis ici pour défier les jeunes qui sont sous le son de ma voix. Let me tell you, as for the babes, the beautiful ones are not yet born. Et comme je vous le dis, les plus belles ne sont pas encore ici. Praise the Lord. Alleluia. If I go on Facebook and I look at pictures of my wife when they were in school and the way they are standing and some petite they'll be wearing with some flowers in their hair and I look at the babies now, I say, wow. Quand il va dans Facebook, quand il va dans Facebook, il revoit les photos de son épouse lorsqu'ils étaient un peu plus jeunes, il voyait les posters qu'il faisait avant de prendre la photo et qu'il rentre dans la génération d'aujourd'hui, il se dit merde, mais so I want to challenge you. Plus belle, donc il dit, Jesus Christ did not go on the cross to die an empty death. Jésus Christ ne s'est pas amené sur la croix pour mourir. But he went on the cross. Mais il est allé sur la croix. That your story will change. Et c'est pour apporter le changement. That my story will change. Qui va sûrement être restauré. That we will have life. Que celui-là aura la vie. Of restoration. La vie de restauration. And because God loved us. Et parce que Dieu nous aime. In place a process of how he was going to bring man back to himself. Il a mis une procédure qui pourrait ramener l'homme à lui-même dans ses premières préceptions. He called out Abraham. Il a appelé Abraham. Through his sons built a nation called Israel. Au travers de son fils, il a bâti le peuple et le pays appelé Israël. And out of David came the Lord Jesus Christ, who became the door for you to enter, for you to get into your spiritual life. Et au travers de lui est devenu, n'est-ce pas, une porte dans laquelle tu devais entrer pour retrouver Jésus dans son règne. Jesus Christ became the door for you and I to be qualified. Et Jésus Christ est devenu donc la porte pour que vous et moi nous soyons qualifiés. And for us to be qualified, he had to come on earth and took upon himself humanity to take away our disqualification for us to be qualified. Pour qu'il soit qualifié, il devait lui-même revenir ici sur cette terre et nous regarder et de mettre de côté nos disqualifications et de nous requalifier alors. He had to die. Il devait mourir. And not a beautiful death. Et quelle belle mort. You know, there are some deaths that are so beautiful. Vous savez, il y a certaines morts qui sont vraiment agréables à voir. You go to the hospital. Tu vas à l'hôpital. And the doctor tells you that you have 5 months to live. Et le docteur te dit que tu as 5 mois de vie. So you know that come what may. Et tu sais que you will go. Quoi qu'il advienne, tu partiras. You will put your house in order. Tu vas mettre ta maison en ordre. That is a beautiful death. Ça c'est une mort merveilleuse. Sometimes you hear that this person was not sick, but whilst in his sleep he died. Quelquefois vous suivez que la personne n'était pas malade, mais dans son sommeil il est mort. But in the case of our Lord Jesus Christ, mais dans le cas de notre Seigneur Jésus Christ, his death to make us qualified was a disgraceful death. Sa mort de nous rendre qualifiés, c'était une mort disgracieuse. And that is why in Psalm 107, he's calling upon us to thank God, to bless him, for he took us out of our Egypt and he has brought us into a place. C'est pour cela dans le psaume 107, il nous appelle pour nous requalifier. Il nous a sorti, n'est-ce pas, du territoire israélien pour nous amener vers l'Égypte. He was innocent. Il était innocent. But became guilty for us. Mais il est devenu coupable pour nous. He was perfect. Perfect. Il était parfait. But he became corrupt for us. Mais il a été corrompu pour nous. Because that was our state. Parce que ça c'était notre état actuel. Et pour que nous soyons délivrés, he had to take place all the rubbish that we were in. Il devait, n'est-ce pas, prendre place dans toutes les bêtises que nous avons nous-mêmes fait. Somebody's question is that why didn't
is that the blood of Abraham was tainted with sin because he was also from the Adamic root. Again. Why God did not use Abraham? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé Abraham? Because the blood of Abraham, parce que le sang d'Abraham, was also tainted with sin. C'était plein de péché. Because he's also from the Adamic covenant that God had. Et c'est par rapport, il vient aussi de, du côté adamique, n'est-ce pas, de l'alliance de Dieu. So God had to bring his own son. Donc Dieu devait faire venir son propre fils. Who became sin in our place? Qui est devenu péché en lieu et place de nous-mêmes? He had to experience a physical death. Il devait expérimenter la mort physique. Not just an ordinary death. Pas seulement une mort ordinaire. In the olden days, dans les jours anciens, for somebody to be hanged on the cross means that the person was a law breaker. Pour que quelqu'un soit crucifié au niveau de la croix, ça veut dire que cette personne-là brisait toutes les lois, il était contre toutes les lois mises en place. And so Jesus Christ was crucified as a lawbreaker in our stead. Et Jésus-Christ a donc été crucifié comme quelqu'un qui défiait les lois en lieu et place de nous. And on the cross, et sur la croix, the two guys who were crucified with him, et les deux gars qui ont été crucifiés ensemble, I told him, un lui a dit, if you say you are the Christ, si tu dis que tu es Christ, save yourself and save us. Sauve toi-même et sauve nous autres aussi. And then the other guy said, et l'autre gars a dit, don't say in simple English, he said, don't say what you are saying. Il a dit, ne dis pas ce que tu dis. Because for us, we deserve it. Parce que nous, on mérite cela. But as for him, he doesn't deserve it. Mais lui, il ne mérite pas cela. And the cheapest and the easiest, I jealous that man. Ce homme-là me rend jaloux et je suis jaloux de lui. See, the word that comes from your mouth, vous savez, les paroles ou les mots qui sortent de votre bouche, he's not going to do or undo something in your life. Savoir soit réaliser quelque chose ou alors ne pas réaliser quelque chose dans votre vie. So he said, ainsi donc il a dit, today you'll be with me in paradise. Aujourd'hui, vous et moi, nous serons tous au paradis. It's the passage to heaven. Et c'est un passage pour le ciel. But I'm here to tell somebody that this time there is nothing like easy passage. You need to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Et je suis en train de vouloir vous dire que c'est pas aujourd'hui il n'y a pas de voie facile pour aller vers Dieu. Why do we have to believe Jesus Christ comme votre serviteur personnel, le votre Seigneur personnel? Why do we believe in Jesus Christ? Pourquoi est-ce qu'on doit croire en Jésus? Why is Jesus the head of the church? Pourquoi est-ce qu'il est la tête de l'Église? Why is Paul giving the preeminence to Jesus Christ? Pourquoi est-ce que Paul donne la prédominance à Jésus-Christ? Because when you read Acts of the Apostles chapter 2 verse 24, lorsque tu vas dans les livres des apôtres chapitre 2 verset 24, il est écrit, Acts of the Apostles chapter 2 verse 24, it says that whom God raised up having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. Amen. Our Jesus, notre Jésus, has authority and power on death. Or a la puissance et l'autorité sur la mort. All the religions of the world have leaders who died and did not resurrect. Tout ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui est mort et qui n'est pas ressuscité. And let me reiterate what I've been saying every Easter, that if somebody says you should follow him, let the person die on the cross on the third day, let him resurrect and you will follow him. Et je veux dire ce que je dis souvent ici à la convention, si quelqu'un dit que suis-moi, il faut que cette personne te montre qu'il est mort sur la croix et il est ressuscité le troisième jour et il est allé sur la main droite de Dieu. Of Mohammed, la mort de Mohammed is immediate. C'est à Médian. Or Mecca, or wherever it is. C'est à la Mecque. When you go to other places, you see the grave of Buddha and Confucius. Et lorsque tu vas dans d'autres places, tu vas voir les morts de Buddha. But the Bible says that our Savior Jesus Christ. Mais notre Sauveur Jésus Christ. There are who say, que la parole dit, I will die. Je vais mourir. And on the third day, et au troisième jour, I will resurrect. Je vais ressusciter. The Bible says that. Et la Bible dit, when you go to the land of Israel, lorsque tu vas dans le territoire israélien, the tomb is empty. Et la tombe est vide. Brothers and sisters, the tomb of your Lord and Savior Jesus is empty. Frères et sœurs, la tombe de votre Seigneur Jésus-Christ est vide jusqu'à présent. He has power and authority over death. Il a la puissance et l'autorité sur la mort. And so the Bible says that. Et la Bible dit ceci. For it was not possible.
parce que cela n'a pas été possible. That he should be helped by it. That he should be helped by it. Il ne peut pas être retenu de cela. Why are you qualified? Pourquoi est-ce que vous êtes qualifié? Why am I qualified? Pourquoi est-ce que moi je suis qualifié? Because parce que Jesus, Jésus, death could not hold him captive. La mort ne pouvait pas le tenir captif. When you study the Bible, lorsque tu étudies la Bible, there are 10 biblical resurrections that took place. Il y a 10 chemins bibliques qui ont eu à se produire. But time for time sake, I will not take away. Mais au sujet, je ne vais pas élaborer dessus. Et la Bible dit que lorsque Esaïe est mort, il y a un vent de résurrection qui est né sur ses os et lui également il s'est ressuscité. And when I was studying for this convention, et lorsqu'il faisait des études pour cette convention, I realized that this was the foreshadow of the resurrection of Jesus Christ. Il n'a pas su que ça c'était le côté faux de l'ombre de la résurrection de Jésus Christ. And then Jesus Christ came. Et maintenant Jésus Christ a fait son entrée. And then he also resurrected the son of the widow of Nain. Et il a également ressuscité le fils de la veuve de Nain. And then when you study, you go on, you realize that the other person to be resurrected was Jairus' daughter. Et lorsque vous voyez dans la suite la personne que tu vois qui devait être ressuscité, c'était la fille de Jairus. The sixth man was Lazarus. Et la sixième personne c'était Lazare. Now listen. It is not for nothing. Ce n'est pas pour rien. That Jesus Christ, Jésus Christ, was the sign to the resurrection that took place in the Bible. Il était extraordinaire de tout ce qui a eu lieu dans la Bible. Sign stands for perfect. Le chiffre 7 fait allusion à la perfection. So the resurrection of Jesus Christ, the sign to resurrection in the Bible, is the perfect resurrection. Les sept résurrections dans la Bible qu'on mentionne, c'est les sept résurrections qui sont les plus puissantes qui n'ont plus jamais eu lieu sur cette terre. In all the resurrections that we have spoken about, dans toutes les résurrections dont on a fait allusion, we realize that it was done by someone. On a réalisé que cela a été fait par quelqu'un. But in the case of Jesus Christ, c'est dans le cas de Jésus Christ, nobody had to do anything. Personne ne devait faire quoi que ce soit. Sur la mort. He needed no prophet. Il n'avait pas besoin de prophète. But he himself, parce que lui-même, was life. Il était, n'est-ce pas, la vie. And so death could not hold him captive. Et ainsi donc la mort ne pouvait pas le tenir en captivité. And Bible says that. Et la Bible dit que when he resurrected, lorsqu'il a été ressuscité, we had saints who also resurrected. Nous avons Jerusalem. Les péchés qui ont également ressuscité à Jérusalem. And we have the resurrection of Dorcas by Paul. Et on a également la résurrection de Dorcas par Paul. And then the last resurrection is Eutychus in the book of Acts 20. He was also resurrected when Paul preached the word. Lorsque Paul a prêché la parole, Eutychus a été également ressuscité. Vous verrez ça dans Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 7 au verset 12. Brothers and sisters, frères et sœurs, the death of Jesus Christ and its resurrection is different from all resurrections. La mort et la résurrection de Jésus Christ est différent de l'ensemble. Because Jesus has resurrected. Parce que Jésus a ressuscité. As we observe this day, comme nous l'observons ces jours, we want to affirm that we are qualified as sons and daughters of Jesus Christ. On doit affirmer que nous sommes qualifiés comme filles et fils de Jésus Christ. We want to affirm that
There is power in his name. On doit affirmer qu'il y a une certaine puissance. At this convention, we want to affirm that if you believe in the Son Jesus Christ, everything that is dead in you, God is able to resurrect. Et je crois, et je crois, vous devez savoir que si vous croyez à Jésus-Christ, toute chose qui ne va pas bien, Dieu va ressusciter ça en votre faveur. The benefits of the death of Jesus Christ. Le profit de la mort, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, que je vous le dise un peu. There are benefits we had when Jesus Christ resurrected. Il y a des bénéfices ou alors les profits que nous avons par rapport à la mort de la résurrection de Jésus. Why? Because his words alone qualified Mary to be a different person. Parce que sa simple parole seule a suffi pour qualifier Marie d'être une personne différente. Zacchaeus was not accepted in society. Zacchaeus n'a pas été accepté dans la société. But Jesus said, mais Jésus a dit, come down, descends, for today I will dwell with you. Parce que à partir d'aujourd'hui, je vais demeurer avec toi. The word of Jesus Christ is here to give hope to the hopeless. La parole de Dieu est ici pour donner l'espoir à ceux-là qui n'ont plus d'espoir. Through the words of Jesus Christ, we are able to possess the gates of our enemies. Avec les paroles de Jésus-Christ, on est capable de posséder les clés de notre ennemi. Through the resurrection of Jesus Christ, we are empowered to be custodians of the church and to be laborers in building the church of God. Et au travers de ces paroles, on est qualifié à construire et à bâtir, n'est-ce pas, l'église de Christ. What are the benefits of the death and the resurrection of Jesus? Quels sont les profits de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? From the verse 12. À partir du verset 12. Realize that. On a réalisé que. First of all. La première chose. We share in his inheritance. On partage son héritage. Two. Deux. Delivered from the domain of darkness. On a été délivré du domaine ténébreux. And adopted as his children. Et on a été adopté comme ses enfants. When you adopt a child, lorsque vous adoptez un enfant, he or she enjoys the full benefit as your biological child. Lui ou elle va, n'est-ce pas, profiter de tout ce que vous avez tout autour de vous. Trois. We are part of his eternal kingdom. On fait partie, n'est-ce pas, de son royaume éternel. Because Bible says that. Parce que la Bible dit que he brings us out that he might bring us in. Et il nous fait sortir et il nous rachète pour revenir dedans. Four. Quatre. We have been redeemed. On a été racheté. To be redeemed means that a price has been paid for you. Pour être racheté, ça veut dire qu'on a payé un prix pour vous. And most importantly, et la chose la plus importante, he has forgiven us our sins. He has forgiven us our sins. Il a pardonné nos péchés. So when you accept Jesus Christ, lorsque vous acceptez ton Jésus Christ, every sin that is against you, every written code is wiped off. Chaque péché qui est contre vous ou une raison difficile est écarté. Because of the resurrection, à cause de la résurrection, and the power in his name, et la puissance en son nom, we are able to cry Abba Father. Et on est capable de crier vers notre Père. Today we are able to stand to make declarations in his name. On est capable de faire des déclarations en son nom. Because parce que we are forgiven. Parce qu'on est pardonné, on a été pardonné. As we stand on our feet, comme cet après-midi, on va se lever. We have every cause and every reason to be thankful to Jesus Christ. On a toutes les raisons pour être, n'est-ce pas, remerciable vis-à-vis de Jésus-Christ. I don't know your situation. Je ne connais pas ta situation. I don't know your situation. Je ne connais pas ta situation. But one thing that I know, mais une chose que je sais, that if you believe in the Son, que si tu crois au Fils, you will make a difference in your situation. Tu feras une différence dans ta situation. Let me on our feet. Levez-vous, s'il vous plaît. I want to invite a friend from